Que ce soit le bruit de l'hélicoptère de la gendarmerie ou l'ambiance de la rue cette année à Aurillac, la technologie de la française de comptage était mise au service d'une création de reality fiction à travers le tournage simultané et en direct d'un jeu et d'un feuilleton télévisé. En suivant le camion plateau des prises de vue, nous allons pénétrer dans l'univers de MaFace TV pour notre plus grand plaisir. Et dans lequel nous le ferons évoluer, non sans l'avoir préalablement mis en condition grâce au procédé de suggestion forcée mis au point par nos équipes. Pour quelques instants, nous allons diffuser le premier chapitre de la vie de Silberstein. Nous le verrons dans son quotidien, accompagné de son parent, Madame Popov, qui sera notre complice dans ce jeu. Que tout est dit, il ne reste plus qu'à voter. Alors, chers amis, à vos écrans et votez. Mesdames et messieurs, nous vous invitons à vous suivre dans cette aventure. Prenez tous vos micros, tapez maface.tv. Rendez-vous dans le tableau vote, c'est-à-dire le tableau avec une petite boîte en bas de la page. Et choisissez parmi les trois propositions qui s'afficheront. Allez-y, mesdames et messieurs, votez. Votez. C'est quand même fantastique, quand même. La technologie. Oh, je suis vraiment impressionné. C'est vous, Silberstein. Oh, comme je vous aime, vous. Vous rassurez. Silberstein. Confiez-moi que je suis fraîche et spontanée. TV, le tableau vote. Proposition numéro 1, proposition numéro 2, proposition numéro 3. Faites votre choix. Et vous avez choisi le choix numéro 3, le choix du piratage. Nous vous le rappelons, vous avez décidé que Silberstein se fasse pirater son compte et qu'un certain Silberstein usurpe son idée et son identité et vole ses prises. Dites bien, place au fruiton. Mais ça me plaît pas du tout. Mais oh, oh papa, papa, maman. Par toi-même, j'ai ouvert ma face comme d'habitude. Regarde, regarde, c'est quoi ça? Arrête de dire des foutaises, tout se passe comme qu'il faut, tout au monde pas, il va te coucher. Me coucher? Me coucher? Mais je viens de me lever, c'est le matin. Et puis c'est pas le problème. Silberstein. C'est donc sous le double signe de la trahison et de l'incohérence que se déroulera cet épisode, puisque mandaté par le docteur Gilbert, l'assistante médicale l'enverra dans un traquenard. Deuxième proposition, c'est l'assistante médicale. Eh bien, les voyeurs, c'est maintenant à vous de décider de l'avenir de notre cobaye, en votre âme sans tabou et conscience sans scrupules. Chers spectateurs, c'est donc à vous de jouer. Alors, à vos écrans et votez. Nous avons un résultat, et bien ça sera la proposition numéro 1. Oui, c'est ce que vous avez pu entendre, chers spectateurs. Alors, je n'ai envie.
lieu de dire qu'une chose, place au fouettant. Cela vous semble réel de manger que du café, de séduire une telle beauté avec votre cagoule jaune, de faire la vaisselle dans un évier de carton ou des caméra 3 d'escargot. C'est le principe maintenant. Et exceptionnellement ce soir. N'existe pas. Pas plus que vous, mon grand ami. Pas plus que vous. Plus de Zizi que de Sissi. C'est ma proposition qui a gagné. Mais ma vie, mon œuvre, mes escargots. Yana. Bienvenue sur le camion. Hein, ça s'est bien passé finalement. Mais ça s'est très bien passé. Les gens étaient contents. Vous étiez contents, vous? Oui, ouais, ça a bougé. Ça... Eh bien, c'est parfait alors. On va pouvoir vous manger à la fin. Voilà. Voilà. C'est parfait. Allez, boire un verre. Merci. Du monde, pardon. Excusez-moi. Pardon.